Salut tout le monde, c'est Julius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle aventure en solo, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, avec des défis et un objectif aussi, comme on peut voir sur l'écran, avec l'extraction zone map. C'est un mode que je vais tester pour les mettre des défis. J'ai mis l'hélicoptère event, j'ai mis d'autres modes aussi avec des petits events. On verra. J'ai mis plein de modes qui vont surtout pas me faciliter la tâche. Et j'ai mis en 6 mois plus tard aussi en hardcore. Je sais pas comment ça va se passer, mais en attendant le but 42, pourquoi pas se lancer des petits défis. Alors on va tester ce mode d'extraction. Bien sûr, j'aurai la roue du destin que je vais montrer tout de suite. Voilà la roue du destin. J'ai pas mis grand chose pour le moment. Je vais en rajouter au fur et à mesure. Il y a déclencher une tempête tropicale. Et des trucs comme ça qui vont pas trop me nuire. J'ai enlevé m'enlever des stats. Parce que en fait, je vais faire que bouger. Et je risque pas d'augmenter beaucoup mes stats de toute façon. Bien sûr, merci pour vos suggestions dans la vidéo que j'ai fait. Et j'en rajouterai aussi. Pas hésiter à me dire quelques petites choses à mettre en plus. À rajouter au fur et à mesure des épisodes, me le dire en commentaire, et ça me fera extrêmement plaisir que vous participez aussi à ce petit défi, en espérant que je meurs pas trop vite. Allez, c'est parti avec mon petit personnage que j'ai fait en sorte que ce soit Solid Snake pour son extraction. Ça va être assez compliqué. Alors déjà, je vais voir ce petit papier extraction zone map. On va le regarder. À Louisville, et ça va faire loin ça. Ça va faire loin pour aller là-bas. Alors je sais pas comment ça se présente, si l'extraction c'est plusieurs fois ou pas, mais c'est au plein milieu, c'est à l'hôpital de Louisville. Magnifique. On va garder ça de toute façon dans le sac. Alors j'ai spawn avec un sac parce que dans mes traits, déjà comme on peut voir, je suis blessé. Je suis blessé à fond. Et j'ai mis le trait blessé quoi. J'espère que ça va aller. Il y a blessé, fumeur, grande soif, conducteur du dimanche. J'aurais peut-être pas dû mettre ça. Estomac fragile, insensible, lecteur rapide. Alors ça, ça me spawn un sac. Homme de plein air, chanceux. Et ça, c'est pour la musique juste derrière. On s'en fout. Bon. J'ai spawn dans un petit garage. Bah, c'est très bien. Comme ça, j'ai des petites armes. Ça va me servir. Très bien. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est que bon, pour l'extraction, je dois déjà, pour ce premier épisode, sortir de Raven Creek. J'ai plusieurs solutions pour sortir, mais si je peux trouver une masse dès le début, ça pourrait être cool. Alors bien sûr, n'oubliez pas peut-être de me donner des suggestions encore pour la roue du destin. À tous les 3 jours en jeu. Voilà, je me trouve rapidement une montre. Bonjour. Comment ça se présente à Raven Creek? Je sais même pas où je suis là. On va le tuer tranquillement celui-là. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, c'est en 6 mois plus tard. En hardcore. Et je sais pas comment je vais m'en sortir. Hein. Ça se fait que je vais mourir vite. Ou pas. On verra. Alors on va voir dans la pièce à côté. Allez, Snake. Alors, j'ai essayé de ce qui ressemble au maximum, mais bon. J'espère qu'on va pas trop en prendre rigueur. On va pas jouer aux jeux vidéo, hein. J'ai pas envie là. Ah, il y a une petite boîte de munitions là. Ah, calibre 12, nickel. Alors, le taux de spawn aussi des. Je vais quand même montrer. C'est comme ça, le taux de spawn des items. Ici, je pourrais aussi rajouter des choses et changer directement pour ma partie, pour la roue du destin. On verra. Allez, mon petit, viens ici. J'espère que ça va vous plaire, cette petite histoire. On est en plein hiver. Magnifique. Bon, est-ce que t'as une main, toi? Allez, viens me voir. Je sais pas s'il faut aller voir une... trouver une radio. Military... Takiwalki, ok, faut peut-être prendre un Takiwalki pour établir le contact. Parce que le contact, faut peut-être pas l'établir quand je me rapproche de Louisville. Alors, ce que je sais, c'est que j'ai essayé par défaut, mais c'est sur 3 jours. Le temps de l'extraction.
On verra comment ça va se passer. Allez, Snake. Survie à l'apocalypse. Tu l'as déjà fait si souvent. Allez, est-ce qu'ils ont une montre là? Moi j'en veux une. Il n'y a pas de montre. Hein. Ils sont pauvres à Raven Creek, j'ai l'impression. Hein. Allez, meurs mon petit. On va faire comme ça. Voilà, nickel. Va falloir que je m'habitue de nouveau. Hein. Faire ces petites parties. Ouais, il y a du monde là. Ouais, il y a du monde aussi là. Il y a du monde partout. Ouais, je crois que j'ai spawn au centre-ville et... C'est pas très bon ça. Ah, t'as un bandana. Alors, je lui ai mis un bandana, hein. Ça se voit pas trop, mais... Allez. Nickel. Ah, mais je commence déjà à avoir froid, quoi. Super. C'est pas cool, ça. Je crois que ça va être la gare. Ah, j'ai vu une montre, une belle montre, là. Déjà, il y a des gants que je vais enfiler, même si c'est en mauvais état, c'est pas grave. Et j'ai vu une montre stylée, là. Oh, c'est pas grave, je vais prendre cette montre. Déjà, je vais me réchauffer de nouveau. Ah, c'est pas cool, ça. Allez, fais 4 degrés, tu te réchauffes un petit peu ici. Ça, j'ai pas besoin aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai rajouté aussi ça, la sonde tactique. Pour qu'il ressemble un peu à mon petit personnage. Mais bon, ça me prend un petit peu de rangement. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Au moins, j'ai le sac. Et j'ai cette petite arme. Il va se réchauffer un petit peu et je vais ressortir hein, tranquillement. Hein. Peut-être des zombies qui vont venir me voir. Alors bien sûr, pour pas me guider, j'ai pas mis en bas à droite la minimap. Il va falloir toujours que j'ouvre ça. Ouais, je suis paumé en plein milieu. Hein. Louisville Central Hôpital, bien sûr, c'est ici l'extraction. Hein. Je suis si loin. Oh, ceci, la dernière fois que je suis allé à Louisville. Hein. C'était... J'ai pas survécu hein, avec mon petit Rick Grimes en espérant que Snake va s'en sortir un peu mieux. Alors, je vais juste voir si je trouve un véhicule là parce que faut que je sorte rapidement de Raven Creek. Hein. De Raven Creek à Louisville. Une télécommande, super. Hein. Comme si j'en ai besoin, une télécommande. Ah, viens, mon petit. Viens me voir. Viens voir tonton Julius. Très bien, si tu me réchauffes en même temps. Allez, tombe par terre, c'est mieux. Oh. Il chute. Je sens qu'à un moment, je dois courir. Et je dois me démerder. Je vais devoir bien m'en sortir. Allez, Snake. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Une trousse de secours, super. C'est du joli. Alors, il n'y a pas les clés, la jette désinfectante, ça je vais prendre. Ah, ils vont bientôt sortir là. Hein. Ah, tant qu'il est blessé, je vais pas pouvoir faire grand chose. Il n'y a pas les clés. Hein. C'est dommage, mais là-dedans, je pense qu'il y a du monde. Hein. Ah, ce que je vais faire, je vais partir vers le sud, hein. J'ai pas le choix. Hein. Bon, il y a des maisons sécurisées ici. Allez, viens. C'est juste pour qu'ils arrêtent de me suivre et c'est... Ces petits zombies. Oh, j'entends de plus en plus de monde là. Attends, je te tue toi. Ah, faut que je trouve des habits. Hein. Il faut des habits pour mon petit bonhomme. Bonjour. Ah oui. Il y a quelqu'un ici. Hein. Raven Creek, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Oh, c'est quand même encore des bonnes villes. Hein. Non, non, non. Ah, ça fait trop de monde. Faut que je me barre. Faut que je me barre de cette misère de centre-ville, là. J'ai pas le choix. Oh, bah tiens, il y a un bateau. Nickel, le bateau, mais je n'ai pas besoin, là. Ah, faut que je m'éloigne. J'ai déjà fait Raven Creek en hardcore il y a très longtemps, en mode Resident Evil. Et j'avais vraiment, vraiment du mal à avancer, hein. J'essaie de pas passer les jours trop vite. Hein. Il faut pas. Hein. Faut pas tourner la roue trop rapidement. Des situations la prochaine fois, j'aurai rajouté des petites choses à la roue. La roue du destin. Bonjour. Ah, je fais que passer. Hein. Juste trouver une petite maison.
Pour prendre au moins un peu de nourriture. Faut que je me repère. Je vais avancer tranquillement. Autant trouver un petit endroit sympathique. Oh là 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 là, ils sont sur les toits, ils sont partout. Et c'est... Bon ben, on se retrouve quand j'ai un petit peu avancé. Hein. On va s'éloigner du centre-ville, aller vers le sud. Et dans quel état je vais être? Ça. Seul Snake le sait. A few moments later. Bon, vous savez quoi ce que je vais faire? Je vais sûrement escalader ce grillage. Pour esquiver tout le monde qui est sur la route là. Je pense que je vais pas avoir de choix parce que je ben, après il y a beaucoup de zombies aussi dans le coin là. À travers le grillage. Mais au moins peut-être je pourrais esquiver cela. Parce qu'après pour trouver un petit véhicule, ça va être compliqué. On est bien comme ça, à marcher tranquille. Il neige, il y a des zombies. Tout va bien. Ça fait un petit moment que je marche. J'essaie juste de m'éloigner. Il y a une chose, en attendant que je fais ma petite marche, que j'ai pas dit, c'est que pour event hélicoptère, j'ai mis tout en normal pour les events. Alors ce sera un peu plus souvent. Ça se pourrait que je le rajoute aussi dans la roue du destin. Que j'augmente les événements. Ou que je diminue. On verra. Allez, moi je continue ma petite marche du destin. Ça va être long de faire un voyage jusqu'à Louisville, mais c'est un petit objectif à faire. Sympathique. Oh, mais là je vois juste à côté en fait de cette maison. Parce que là, en fait, là, il me semble que je me rapproche de l'école. Il y a une école un peu plus bas. Mais cette maison, j'avais fait déjà une petite survie avec les zombies qui courent. Assez compliqué. Je courais que la nuit. En mode, je veux être une légende. Mais on va descendre quand même. Je vais encore continuer de descendre. Peut-être vers l'école, mais faut que je les sème, ceux-là, là, derrière moi, là. Ils veulent pas me lâcher. Désolé Snake, je t'ai pas donné de pistolet, mais c'est pour ton bien, Raven Creek. Et vous savez quoi ce que je vais faire? Je vais crier, je vais tous les attirer. Comme ça, ils viennent tous au même endroit. Et en fait, après, je vais courir et les semer dans une autre direction. Allez, venez mes petits copains. J'ai besoin de vous. C'est nos copains à tous, ceux-là, hein, petits zombies. On est tous copains. Regardez-moi ces beaux fermiers. C'est la ferme ici. Ça va les amis? On s'amuse? Ils ont de la chance que j'ai pas un côté molotov avec moi. Ou une grenade. Bon, je préfère avouer tout de suite, c'est que mon plan il a foiré là. Parce que je voulais tourner mais ça a pas fonctionné. Je vais courir vers là. Normalement c'est réglé là. Ouais, normalement hein. Bien sûr, c'était pas sûr. Moi je vais passer par derrière là. Je vais passer par là. Normalement ils sont vers en haut et je vais peut-être voir si j'ai l'occasion de rentrer en moi là-dedans. Alors bien sûr je suis rentré à l'arrache. Faut pas faire ça. Hein. Faut pas faire ce que j'ai fait là. Ah bah tiens, l'ours en peluche. Tu vas peut-être me porter bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un poster, un vélo. Ah, mais oui, je sais ce qu'il... Peut-être que je trouve un petit vélo, ce serait bien ça. Est-ce qu'il y a du monde derrière la porte? Salut! Non, pas à deux. Bah, restez dedans, tiens. Voilà, nickel. Restez enfermé. Ils m'ont suivi les autres là-bas, là. Allez, réchauffe-toi, Snake. On va essayer de rentrer dans cette maison. Je pense pas que c'est le bon plan, mais c'est pas grave. En fait, avant de partir loin du centre-ville, il faut vraiment que je me trouve un peu de nourriture. Allez, la clé à molette, c'est une bonne arme.
au début. Allez, faut mourir. Bon ben, faut que je les tue ceux-là, j'ai pas le choix là. Sinon, il va pas me lâcher la grappe là. Ah, une trick, c'est compliqué. Hein. Eh, tu te lèves pas toi. Snake a dit, couché. Toi aussi. Et toi aussi. Alors, il y a des bottes que je vais enfiler directement là. Et je vais voir s'ils ont peut-être pas quelque chose qui peut me réchauffer un peu. Bah, tout est cassé. Ah, Takiwalki, tiens. Vite, vite. Nickel. Alors, peut-être il faut utiliser le Takiwalki pour l'extraction. On verra. Bon, ouais, j'ai pas que ça à faire hein, de m'occuper de vous là. Non, mais toi, t'es toute nue. Mais qu'est-ce que tu fais toute nue? Ah, je crois que c'est la mariée, ça. Attends, viens. Oh bah attends, voilà. Au moins tu ressembles plus à une mariée. Moi j'ai pas mis les PNJ hein, pour le moment. Hein. Je me suis dit sinon ça va me faire chuter les FPS à donf. Si je les mets alors c'est pas la peine. Les gars, c'est ça vraiment de côté là en bas là. En fait mon plan il a quand même bien fonctionné. Ah. Les tirs, il va bien fonctionner mon plan, mais ils sont quand même tous en haut. Hein. Ce qui est sûr, c'est que je peux pas rester à Raventry. Si j'ai un event d'hélicoptère, faut que je me trouve un véhicule rapidement. Parce que c'est en fait, si j'ai un event, ça craint. Ça craint grave là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les petites bouteilles, dans les poubelles? 5 poubelles. Comme d'habitude. Un cafard. Non, j'en veux pas ça. 14h30. Encore un peu le temps. Bon, d'accord, je suis pas comme ça. Allez, viens. Viens mourir. C'est surtout que mon arme, là. À un moment, elle va casser. Oh, t'as une belle veste, toi. C'est quoi, une veste ou une chemise? De toute façon, je vais pas pouvoir t'en récupérer. C'est cassé. Bonjour. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a des munitions là. Là, on s'en fout. C'est bien moche ici. Hein. Ah là là là, 45 autos. Bon, bah, je vais quand même récupérer le chargeur 308. Ah, la cuisine. C'est ce que je voulais. Alors, on va se mettre en discret. Snake, il a l'habitude à manger. Ok, ça, je prends. Bouillard. Bon, on va quand même le récupérer. Mais je vais le remplir d'eau. Ça, on va le vider. Ça va être total galère. Hein. Voilà, très bien. La marmite, je la récupère. Ah bah tiens, cristal Pepsi. Et ça, c'est de l'alcool. Ah non, sauce à l'ail et au parmesan. Voilà, sauce, on prend aussi. Voilà, nickel. Une petite cigarette et on ressort. C'était réchauffé. Non, finalement, ce que je vais faire, je vais aller fouiller l'étage. Mais l'étage, il est où, là? Ah, il est là. Faut juste que je me dépêche avant que le groupe en haut que j'ai réuni. Ah bah voilà, quelque chose qui peut me réchauffer, je pense. Alors, enfile-moi ça. Nickel. Alors, je pense que ça va quand même bien me réchauffer, hein. Ouais, bandage châle, bon ça on verra plus tard. Ouais bon. C'est pas très bien, mais juste en vert là, c'est grâce à ce que j'ai équipé. Oh, boîte de 9 mm. Ah, t'as ici. Et du 308, je vais quand même le prendre. Oh, bien sûr, j'ai pas mis les stats hein, comme le snake et tout ça, avec la visée et tout, plein de choses. La furtivité, moi c'est juste pour le personnage, hein. J'ai pas besoin de mettre les stats exacts du bonhomme. Hein. Ah, tournevis, ça je récupère. Fabriquer un minuteur, bon, on va quand même le lire. Voilà, on jette le livre, on s'en fout. Et ici, je vais voir si j'enfile ça. Ah, ben voilà, il est bien, il est paré pour traîner dehors. Et le pantalon, non j'ai pas besoin, je vais garder celui-là là, que j'ai. Et un sac à dos, je crois qu'il est mieux celui-là,
Mélodie là. Capacité 30. Bon, on va le mettre. Hein. Là, il aura du flow, mon petit snake. Voilà, nickel. Ah, t'es joli. Allez, on prend tout. Alors, ce que je voulais, c'était voir avec le Takiwalki. Il y a quelque chose à faire. Ou peut-être faut se rapprocher de là-bas. Ah, bah, ça va être compliqué. Hein. Je vais quand même récupérer le sac. Ah, j'entends un zombie qui se balade à l'extérieur. Pourquoi je t'entends pas? Le souci, c'est que je vais être en plein. Dans le noir. Salut! Ah, bah je t'ai dérangé. Hein. Excuse-moi. Il y a l'école plus bas, hein, il me semble. Allez, vas-y. Ah, bien que personne n'a des lumières là. Une lampe torche. Oh, lui il a quelque chose sur le dos là. Ah, ben il a un petit fusil. Ils sont encore loin là-bas. Bon, il bouge pas trop, hein. Mais je sais qu'en 6 mois plus tard, il migre assez rapidement. Oh, ben, ton fusil c'est de la merde. Hein. Son état il est dégueulasse. Hein. Et je me pose juste et je regarde sur la map où je suis. Alors, nous on est ici. Il faudrait que je passe ici, mais c'est trop que ça va. Il y aura trop de monde là vers là. Je sais que si je m'éloigne du centre-ville, il y aura moins de monde. Mais après, une fois que je trouve une masse pour sortir de la ville, au lieu de passer par les entrées principales, je vais pas avoir le choix et sortir de côté à travers la forêt. Ça va être compliqué cette aventure, mais une aventure fun. Je reste comme ça, c'est comme ça que j'augmente ma furtivité. Hein. J'ai avancé très doucement. Ils ont cassé la peau. Ah, ils sont sortis les deux là que j'ai enfermé là. Allez, viens. Viens, mon petit. Il y en a un là-dedans là. Ah oui. Là. Vous avez fait quoi tous les trois là au milieu des arbres? Ah, mais c'est que des fermiers ici, ça va pas aussi ça. Allez, meurs. Et toi, tombe par terre. Bon, ça va, j'ai pas perdu beaucoup d'endurance. Le souci, c'est peut-être partir vers là. En fait, c'est parce que j'ai une petite idée où aller. Hein. J'entends des zombies de l'autre côté, mais je suis tenté d'escalader. Hein, pour m'éloigner au moins du gros groupe là-bas. Super, il n'y a que des arbres ici. Alors surtout, faut pas faire ce que j'ai fait. Hein. Oh non, c'est... Ah, voilà. Bon bah écoute. Hein. On va les éloigner vers là. On va faire tout le tour de la maison. Et là, il y a du monde là. Il y a du monde ici. Voilà, nickel. Faut que je trouve une maison éloignée. Hein. Ça va pas. Hein. Fuis, Snake, fuis. En fait, j'aimerais bien aller de l'autre côté, mais c'est pas possible là. Ah, bah, il est 18h. 18h et ça craint ça. Il va falloir bientôt dormir. Et dans 2 jours, je tournerai la roue du destin. J'espère juste qu'il ne me donnera pas une tempête tropicale là. Pas tout de suite. Bon, bah, on se barre. Hein. Ouais, t'es fatigué, mais au moins j'ai au moins une petite chose à manger déjà, c'est déjà très bien. Et ouais, je vais descendre vers le sud. C'est pas à peine que je bataille ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis RV intérieur aussi. En cas où, pour me reposer. Si je fais un petit voyage et si je trouve une caravane. Bonjour les zombies. Ça va ici? Maintenant, il faut que je mange un petit truc hein, quand même. Et avec tout ça, j'ai oublié de remplir ma marmite. On les mange tranquillement à côté des zombies. Ouais, il faudra que je les éloigne. Je vais pas avoir le choix, mais c'est moi qui va m'éloigner. Bah, c'est obligé. J'aurais peut-être pas dû mettre aussi difficile. Je pense pas que je vais arriver jusqu'à Louisville. Ah, mais tiens, il y a un survivant là. Lui, il a un marteau, on s'en fout. Je connais bien cet endroit. J'avais fait ici aussi.
C'était très compliqué. Oh, il y a un spifo. Il y a un petit spifo ici. Ça va, mon pote? Attends, faut pas que tu meurs. Hein. C'est la mascotte. Hein. La mascotte, elle meurt pas. Hein. Bon, ben, on se retrouve un peu plus loin. Hein. Si j'arrive à m'en sortir. A few moments later. Bon, vous savez quoi? J'ai un gros souci. C'est que la ville, c'est compliqué. Et là, maintenant, ici, c'est encore plus compliqué. Je sais pas comment on peut voir. C'est une tonne de zombies derrière mes fesses, là. Et je pense que je vais m'éloigner dans la forêt. Là. Faut pas avoir de choix. Je sais qu'il y a une petite maison vers le milieu, là. Il va faire nuit. Je vais courir dans la forêt, là. J'ai pas le choix. Hein. Soit j'y passe, soit je meurs. Mais je vais jamais m'en sortir. Hein. Faudrait que j'arrive à fouiller des garages comme ça. Mais là, pour le moment, c'est pas possible. Je vais essayer de les semer ceux-là et je vais aller dans une petite cabane dans la forêt. Alors, je vais les semer dans la forêt, hein. Pas le choix. Ça commence mal. Hein. En même temps, le spawn que j'ai eu là, il m'a pas trop aidé. Hein. J'espère juste que je retrouve rapidement cette maison dans la forêt. Et qu'il n'y ait pas trop de monde là-bas parce que je suis bien fatigué là. C'est bien, on va passer la nuit dehors. En plein hiver. C'est dommage que j'ai pas un petit lit. Moi j'avance dans la forêt. Et nous on se retrouve. Le temps que je retrouve mon chemin. Alors déjà que je vois. Là je suis en plein dans la forêt. Il y a un petit feu de camp. Le souci. C'est que je peux pas l'allumer. Déjà il y a des chaises. Ajouter carburant. Oh, mon petit ours en peluche. je peux pas le cramer. Hein. Pas possible. Je vais faire un peu de recherche ici. Voir si je trouve pas des petits brindilles ou du bois. Ou même des pierres. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, on va faire un peu de recherche. J'espère juste que m'ont pas suivi les zombies derrière. Ah, ça craint ça. Heureusement que je suis pas la roue du destin là pour un moment. Allez, Snake. Pas le choix. Hein. Trouve-moi des choses. Ouais, j'ai arrêté de faire la recherche parce que en fait à droite là, j'ai vu que ça m'a fait en discrétion. Alors ça m'a bien montré qu'il y a un petit zombie dans le coin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une chaise. Ah voilà. Il y a bien un zombie dans le coin. Cette chaise va me servir. Hein. Bah, tu sais quoi? Et tes habits sont pas trop cassés. J'en aura besoin. Oh, ça craint ça. J'ai passé la nuit ici. Ouais, je peux même pas les déchirer. Ah, si, je peux déchirer au moins les chaussettes. C'est déjà bien. Voilà. Tissu déchiré. Au moins, j'en ai un petit peu. C'est très bien ça. Et comme on peut voir là-bas. Ouais. Ça c'est, je suis à la limite de Raven Creek. Ici je peux sortir vers là. Mais c'est ce que je vais faire. Hein. Et normalement, il y a une petite maison qui traîne vers ici. C'est trop compliqué d'y aller. De toute façon là en plus je suis blessé. Faut juste voir auditor si c'est passé. Ouais, je suis brûlé. Hein. Snake, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Qui c'est qui est paumé en pleine forêt? Bah c'est moi. Magnifique. Il faut que je tente, j'ai pas le choix de toute façon. Hein. Il va boire et je vais avancer. On va économiser l'eau. Eh ben, un petit zombie paumé ici tout seul. T'es tout seul au moins? J'espère. Hein. Non, non, t'étais pas tout seul. Allez, tu l'as là. Il y en avait au moins deux. Trop la misère. Il a froid mon Snake. Ah, déchirer les habits. Bien sûr. On va faire ça. C'est vrai, j'ai pas pensé en avançant de faire un petit peu de recherche. Pour me faire au moins un petit feu de camp. Déchire les chaussettes. Voilà, nickel. Je vais revenir en arrière et faire de la recherche. Faut vraiment que j'allume le feu de camp. J'ai pas le choix là. Sinon je vais mourir de froid.
J'ai pas envie. Trouve-moi des brindilles là. On revient en arrière, hein. Faut que j'allume le feu, j'ai pas le choix. Hein. Peut-être passer une nuit sans dormir. Ah! Ah bah voilà! C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as trouvé là? Il y a un petit zombie pas loin. Moi je vais allumer le feu et essayer de m'en sortir. Le lendemain sera peut-être plus bénéfique pour moi. Je vais quand même essayer de dormir un tout petit peu. Je vais essayer de mettre ce que je peux dans le feu. Hein. Je sais pas si je peux mettre ses habits à lui. Heureusement, j'ai un petit briquet. Chaussures, shorts et t-shirts. Et je vais essayer peut-être de récupérer ce feu de camp. Hein. Ça peut être bénéfique. Chaque chose qu'on trouve. Alors, le short. Le t-shirt. Il faut du feu. 20 minutes, c'est tout. Hein. C'est pas beaucoup. Non, sans plus. Ah, mais la bûche, elle est là. 6 heures. Nickel. Je savais que j'avais récupéré une petite bûche. Et on va allumer le feu. Voilà, nickel. On est en pleine forêt. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. On se réchauffe tranquillement. On va se reposer. Allez, assieds-toi, Snake. Et repose-toi un peu là. Je sais que t'es grave fatigué. Mais 6 heures de feu. Ouais, c'est s'éteindra. Au moment où je vais peut-être me réveiller. Hein. Allez, mon petit bonhomme. T'as plus qu'à dormir maintenant. Une journée de passé. Et c'est déjà la misère. Au moins, il n'a pas froid.